C'est à 14h50 bonne minute que le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, foule les sols de la chefferie de Basanga à Luambo. La présence du chef de l'exécutif provincial dans cette partie de la province est celle d'inaugurer la nouvelle cabine électrique d'une capacité de 500 kVA construite il y a peu. Avant la cérémonie d'inauguration, les grands chefs de la chefferie de Basanga, Mathieu Pembamoto, saluent la présence du gouverneur. Excellence, monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, c'est pour moi un grand honneur de recevoir en ce jour 10 janvier 2021 son excellence, monsieur le gouverneur de notre province du Haut-Katanga, accompagné de son ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, à l'occasion la plus importante de toute la chefferie de Basanga, et je leur souhaite un excellent séjour chez eux. Bienvenue chez vous. Les directeurs provinciaux de la SNEL remercie l'autorité provinciale d'avoir pensé au développement de la cité de Luambo. Tunapenda ile makazi yenye gouverneur anatusaidia kufanya ibakie kitu mnene yenye italeta maendeleo katika sheferi ya Luambo. Tufungue mecho juba siturudishe nyuma. Tuunge mkono mheshimiwa wetu gouverneur juu development ya province yetu ya Haut-Katanga iko ni ya lazima sana. Par la suite, Jacques Kiabula Katwe exhorte la population à la prudence face au COVID-19. Ile inakuya ya lazima. I malaria coronavirus ilikuya muriona namuna tulikombanisha na tuliwina. Malari inaisha. Tunasema ni deuxième vague. Munabeba masque, munaweka kumpwa. Munabeba masque, munafunika kumpwa. Ata kashine ya kikwembe inekalaka ku. Surtout kama unaza sumuria na bantu banatoka kwa shiambari. Bakitoke Kolwezi, bakitoke Lumumbashi, banashimama na motoka hapa. Bananza kuliza ni wapi banapika restaurant mzuri, beba kashine yako, weka kumpwa, jo msumbulisha. Devant plusieurs personnalités, dont l'administrateur du territoire de Kambove, Djoubek Mukabe, les grands chefs de la chefferie de Basanga, Mathieu Pembamoto, les députés provinciaux de Kambove et Likasi et quelques chefs coutumiers. Vient l'étape de l'inauguration de cette œuvre de Jacques Kiabula. C'est donc un ouf de soulagement pour les habitants de Disanga qui, pour la première fois, vont bénéficier de l'énergie électrique. C'est autour des 17h que le chef de l'exécutif provincial a regagné Lubumbashi.